Prix Vicomtesse-Vizier, c'est la cinquième épreuve du programme. Les meilleurs stayers français qui sont en piste. 3 km à couvrir. San Humberto, le numéro 6, Toc Blanche, a pris un très bon départ à la corde, comme le numéro 5, Talvini, qui vient maintenant se placer deuxième. En troisième position à la corde, il y a le numéro 9, Orgris, alors que le 10, Cold Wind, Kazakh Blanche, ceinture verte, est en quatrième position. Talvini vient cinquième à l'intérieur, désormais avec Libello, alors que le 11, Tamnia, se rapproche en dehors, Kazakh Grenat, et vient devant l'As, All Zazi Green, qui est à l'extérieur. En retrait, le numéro 3, c'est Iskanderon, accompagné l'arrière-garde également par le numéro 4, Call to the Bar, alors que le 8, Diluvien, est en dernière position, alors qu'il se dirige maintenant vers le premier tournant. Et Tony Picol en selle sur le top weight. L'As, All Zazi Green, se rapproche maintenant à l'extérieur, venant placer son cheval en deuxième position dans le sillage du numéro 7, Get Shorty. Et c'est donc Get Shorty qui mène avec Julien Auger. En deuxième position, en bleu, c'est L'As, All Zazi Green, alors qu'ils vont passer sur la piste en sable fibré pendant quelques mètres. En troisième position, à la corde, le 6, sans Hubert. En quatrième position, le numéro 10, Cold Wind. On retrouve également Tamnia qui vient à l'extérieur devant Orgris qui est côté corde, accompagné par le numéro 5, Dalvini, Paris Canderon également, ainsi que le 4, Call to the Bar. Alors que le 2, Libello, est en avant-dernière position, c'est toujours Diluvien, le numéro 8, qui ferme la marche. Ils sortent du tournant, abordent maintenant la ligne opposée, sous l'impulsion toujours du numéro 7, Get Shorty, avec en deuxième position All Zazi Green, Tony Picon qui a regardé derrière lui. Il y a en troisième position à la corde, le 6, San Huberto. En quatrième position à l'extérieur, Tamnia. Au centre, Kazakh Blanche. Et le 10, Cold Wind, accompagné par Iskanderon, qui profite pour l'instant du sillage de Tamnia. À la corde, Orgri, Kazakh Jaune et Rouge, qui vient encore devant le 4, Call to the Bar, accompagné par le numéro 5, Dalvini, accompagné par Diluvien, qui a maintenant quitté la dernière place, laissant cette position au numéro 2, Libero. Se dirigeant maintenant vers le bowling d'en face avec le numéro 7, Get Shorty, une longueur d'avance maintenant sur l'As, All Zazi Green, alors que Tamnia est troisième. En quatrième position à la corde, le 6, San Huberto. En quatrième position, le 10, Cold Wind, accompagné à l'intérieur par le numéro 9, Orgris, à l'extérieur par le numéro 3, Iskanderon, alors que Dalvini est en retrait devant Diluvien, devant Call to the Bar, le numéro 4, et devant le numéro 2, Libello, qui est en dernière position pour bientôt sortir du tournant et aborder la dernière ligne droite. Get Shorty, numéro 7, qui a la tête et la corde, vient encore devant All Zazi Green, qui lui met la pression, alors qu'en troisième place galope le numéro 6, San Huberto. Orgris est en quatrième position, Tamnia qui vient en dehors, Call the Wind qui cherche le passage et qui ne l'a pas encore trouvé, Iskanderon qui vient en dehors, Dalvini qui maintenant est décalé, accompagné par le numéro 2, Libello, maintenant qui vient complètement à l'extérieur, Get Shorty qui se relance maintenant avec Tamnia à son extérieur, avec le numéro 6, San Huberto, Dalvini qui vient en dehors, Libello qui se rapproche encore avec le numéro 10, Cold Wing, et c'est le 6 San Huberto qui a pris l'avantage maintenant sur Get Shorty devant le 10 Cold Wing qui termine de plus en plus fort. San Huberto numéro 6 qui va triompher. Deuxième place pour le 10 Cold Wing. La troisième côté corde pour Get Shorty, le numéro 7.